Alors, en direct de chez Magie, Marie-Josée Lebel, artiste peintre de Québec. Bonjour, Marie-Josée. Bonsoir, les amis. Alors, Marie-Josée, Magie, tu as une expo qui s'en vient bientôt au Tam Tam Café. Ça commence le 3 mai 2017 jusqu'au 3 juin et ton vernissage, ça va être le 10 mai. Donc, on invite vraiment les gens à venir. Le 10 mai au Tam Tam Café, peux-tu nous parler de tes toiles qui vont être en vedette dans cette soirée? Oui, c'est ça. Ben exactement, ça, c'est la muse. OK, oui, ici, c'est présentement, qui c'est ma toile vedette. Oui. Mais sans compter celui-ci, qui est Mio Rêve ou Mio et Céleste. C'est vraiment deux de mes toiles que j'adore et que c'est mes toiles vedettes, comme on pourrait dire. Okay. Et sans compter que... Il y a que... beaucoup de détails dans celle-là, je trouve, des beaux petits détails. Oui, j'ai fait un paysage collier, assez... La, exactement. La feuille, c'est très original, je trouve. Ah, même un morceau de... une branche de cèdre. Oui, c'est des tournesols à la... quasiment sanguine, mais c'est au vitrail. C'est au vitrail, c'est de la peinture à vitrail. Okay, alors, ça, c'est très brillant. Voyez-vous comme je suis brillante? Tu sais, regarde les détails sur ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça magnifique. Et regarde la texture, la couleur, c'est vraiment beau. Donc, ça, c'est Mio et Céleste. Oui. Ça va être une des toiles en vedette à l'expo, au Tam Tam Café. Peux-tu nous parler un peu de ton inspiration pour cette toile? Mon inspiration, c'est pas mes lances, parce que justement, Mio, ça fait une dizaine d'années qu'il m'inspire, parce que c'est un personnage très important dans ma vie, parce que je l'adore, parce que il m'inspire beaucoup et c'est ma muse. Alors, ça fit avec l'autre toile qui est ma muse, la muse en soi. OK, oui, il y a un lien de cause à effet. Dans le fond, ça, c'est la muse. Et ça, c'est ta muse. Oui, c'est ça. Exactement. Mais c'est très important dans la vie d'un artiste d'avoir une muse et d'avoir autant de cœur pour ça. Parce que, bon, je veux dire, c'est rare qu'au niveau de la réalité, il y a du monde qui nous inspire. Ben, ouais, c'est quand même assez rare. Tu m'inspires toi aussi. Ah, ben merci. Merci beaucoup. Mais tu seras peut-être ma prochaine muse. Oh, wow. Mais comment je pourrais dire pour... Mais là, comment je pourrais me dire, pour l'instant, c'est Mio, comment je pourrais dire? Voyons, j'ai de la misère à m'exprimer quasiment, là, mais ça va très bien, mon affaire, fait, je vous en donne pas, là. Et puis, c'est ça, alors le 3, je pose mes toiles au Tam Tam Café. D'accord, et le 3 mai. 10, c'est le vernissage. Alors, soyez-y. Soyez-y le 10 mai au Tam Tam Café. Oh, j'ai oublié de dire quelque chose. Il va y avoir un show en plus. Yes, il va y avoir un show ensuite. Oui, il va y avoir un show. 5 à 7 vernissage et ensuite un show dans la soirée. Oui, il va y avoir un show. Puis ça là, va être magnifique. C'est qui va être là? Artiste surprise. Parce qu'on le sait pas encore, mais vous allez voir. Il va y avoir quelqu'un d'intéressant, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous allez être là, puis c'est sûr et certain que ça va être le fun. Parce que ça va être même gratuit ou quasiment contribution volontaire. Vous voyez, genre... All right. Donc, on vous attend en grand nombre le 10 mai au Tam Tam Café. Oui, 5 à 7 plus la soirée. Yes, bye. Sir.